Madagascar, a vast island situated in the Indian Ocean, may seem like an unlikely home for the world's newest Jewish community. The French colonized the island in the late 1800s and brought with them Christianity. Today, 95% of the population practice some form of this religion. But there is a persistent belief among some Malagasy that the French suppressed the island's true religious heritage, Judaism. Shalom, shalom, baruch habayi, baruch habayi. This is born out of a long-standing legend kept alive in oral tradition that the island's ancestors were seafaring members of the lost tribes of Israel. Now some Malagasy are converting to Judaism. This movement is motivated by something deeper than just a desire to return to their spiritual roots. This is the story of how Ashrey Dayves' personal journey led to Madagascar's first internationally recognized Jewish community. Madagascar is best known for its abundant and unique plant and animal life. But the country's colonial history and succession of corrupt governments have also left it with one of the highest poverty rates in the world. 9 in 10 Malagasy live on less than $2 per day. 70% of the population is malnourished. Child mortality rates are extremely high, and the effects of climate change are increasing hardships. For impoverished Malagasy, Judaism is viewed as a powerful expression of anti-colonialism and a way out of the country's extreme poverty. Against this backdrop is Ashrey Dayves, one of the first of 120 Jewish converts in Madagascar's capital of Antananarivo and a central leader in this community. Depuis 2012, je suis le président de la communauté juive de Madagascar. Depuis qu'on a fondé cette association, être juif, chaque walking, voir la traduction Yom Rishon, lundi, Yom Sheni, mardi. Mais ça veut dire que ce livre-là est très intéressant pour ceux qui veulent étudier vraiment comment on connaît un juif. Le judaïsme ouvre un retour à la source. Parce qu'au temps des colonisations, notre religion ne nous avons pas donné cette paix et cette réussite. Ashrey and the community have taken on all Jewish ways of life, including culinary. Here he makes the traditional Sabbath bread, challah. J'étais catholique. C'était ma grand-mère qui m'a éduqué dans la religion catholique. Après, j'étais revenu avec mes parents. J'ai changé en protestantisme. Après toutes les bêtises que j'avais faites, comme tous les jeunes, j'ai décidé de prier vraiment et j'ai décidé de me convertir en charismatique christianisme. Et j'ai de plus en plus étudié la Bible et j'ai vraiment soif de savoir la vérité. Donc je m'étais changé aussi d'autres religions. J'ai choisi le christianisme qui prie chaque samedi, voilà, le Shabbat.
Et on appelle ça ici Shabbatiste. Ashrey became a spiritual leader in the Shabbatic religion. His small group of 20 followers grew to a congregation of 400 as he continued to promote Judaism around Madagascar. But the more he studied the Bible's Old and New Testaments, the more he questioned whether or not he had found his spiritual truth. À la fin, j'ai conclu aussi que c'est pas vraiment le judaïsme, le vrai judaïsme. C'était une secte, comme un secte, parce qu'on utilise l'argent, le Shabbat. Mais j'ai vu dans l'Internet qu'on n'utilise pas l'argent, le Shabbat. Voilà, donc j'ai décidé de quitter ce groupe-là, parce que moi, en tant que soif de vérité, on ne reste pas dans une communauté qu'on ne ressent pas la vérité. The theory of Jewish settlers arriving on the island is not that far-fetched. Over the past 2,000 years, the island has received waves of settlers from Asia, Europe, Africa, and more. These could have included Jewish settlers. Sofala in Mozambique was a major trading hub for hundreds of years, and it is believed that traveling Jews crossed the Mozambique Channel to Madagascar. Ashrey is on his way to meet with a descendant of the royal family of Madagascar to speak about the island's Jewish history. They are meeting on what the prince believes is ancient Jewish holy ground. Eh ben oui, premièrement, comment je vous appelle? Je suis le prince docteur Dinara Barwin, le chef de la maison royale de Madagascar. Bien. Nous sommes donc des descendants d'Israël, de Jacob, et nos ancêtres sont arrivés ici à Madagascar depuis l'époque du roi Salomon. Ah bon? Et qui sont venus ici à Madagascar pour prendre les pierres précieuses, les bois de rose, bois d'ébène, bois de santal, pour la construction du premier temple de Jérusalem. Et ici, donc, nous gardons les coutumes juives et israélites les plus anciennes dans le monde entier. Vous voyez trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc, normalement le blanc. Et ça, c'est la couleur de la tribu de Lévi. Donc nous avons gardé ces couleurs depuis 3000 ans. Et on voit la massacre. Pourquoi vous dites que vous êtes descendant du Juda? Est-ce qu'il y a des petites preuves? Oui, nous sommes donc dans le village royal et sacré. Il y a plus de 400 tombeaux. Et c'est le nécropole juif. Donc ce sont les signes de... Le tombeau royal, les petites maisons au-dessus des tombes. Parce que moi aussi, j'ai vu quelque chose comme ça dans l'Internet sur les tombeaux des Juifs en Israël. Il y a, mais miniaturisés. Mais ce sont les mêmes. Et là, je vais vous montrer donc des inscriptions hébraïques. Ah, d'accord. Vous avez ici... Magen David. Oui, l'étoile de David. Et au-dessus, il y a un Israël. C'est ça. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ne vous convertissez pas? Parce que nous sommes des descendants des juifs biologiques 100%. Donc vous avez des preuves de tout ça? Les juifs en Israël. Ils sont juifs par la mère. Donc, ils sont des juifs à 50%. Et nous, nos mères sont des juifs, nos pères sont des juifs biologiques, et nous sommes des juifs biologiques à 100%. The prince could not identify the age of the tombs and their inscriptions.
And most academics agree that the island's first settlers arrived between 350 and 550 BC, centuries after the construction of the first Temple of Jerusalem in the 10th century BC. But the prince remains among those on the island wholly convinced of their Jewish heritage. For believers, the proof lies in the similar appearance between the Malagasy people and the Sephardic Jews. The local language has similar sounding words, and they share some Jewish rituals like circumcision. This provides all the evidence they need. Ashrey regularly meets with other Jewish religious leaders. Tubi practices as an Orthodox Jew. And Petuela has been teaching Jewish history and Hebrew classes for the last 10 years. There are no funds available to build a synagogue, so members of the Jewish congregation and some potential converts meet at the English Language Institute in Antananarivo. Petuela, c'est le nom de père de Joël dans la Bible. 10 ans avant notre rencontre avec Ashrey et Tubi, j'ai déjà fait des sabbats avec quelques membres. Nous faisons le sabbat comme nous trouvons dans la Bible seulement. When it comes to what it means to be Jewish, Ashrey and Petuela have not always seen eye to eye. Oui, c'est ça notre problème. Ashrey, pourtant, il accepte d'être converti, même qu'il sent qu'il est juif. Moi, pour le moment, j'étais entre les deux. J'accepte, parfois je n'accepte pas, puisque si on est déjà consenti qu'on est juif, on n'a pas besoin d'être converti. Le monde matériel. But the Jewish diaspora would not recognize the Malagasy community as Jewish without conversion. Something Ashrey had already realized. Ashrey, il s'est déjà manipulé l'internet, moi plutôt, mais pendant notre étude avec les rabbins d'Israël, moi je trouve que c'est nécessaire de faire la conversion officielle juive pour avoir la reconnaissance internationale. Alors, c'est pour la communauté. Adopting Judaism has not been easy for many in the community. As an Orthodox Jew, Tubi has experienced discrimination from local Malagasy. As one of the heads of the Jewish community in Madagascar, Ashrey Dayves has been at the forefront of bringing Jewish education and culture into the lives of Malagasies. In the predominantly Christian country, Ashrey's desire to convert to Judaism
was never going to be easy, but he and others in the community found the support they needed in the form of Kulanu, a US-based organization that assists emergent Jewish communities to learn more about the religion and to convert. Le Kulanu était venu la première à Madagascar le mois de juin 2016 pour effectuer la conversion. Is part of a much bigger movement that's happening all over the world. Toutes les activités qu'on avait fait pendant la venue de Kulanu, on avait fait une semaine là. On a fait l'étude, un peu de l'étude de la Torah, de Shevruta. Do you freely accept all the obligations of the mitzvot of the Torah? I accept the mitzvot and the obligations of the law and the Torah of Moshe. Et après cela, on a fait effectuer la conversion, mais on n'a pas pris photo la conversion parce que c'est entre le rabbin et le candidat seulement, ça. Et après la circoncision, on avait fait le mikvé, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et à la fin, il y avait aussi une mariage juive. C'était la première fois à Madagascar qu'il y avait cette cérémonie dans une façon juive. Moi aussi, j'avais fait cette mariage, même si je l'avais fait en christianisme, parce qu'en tant que judaïsme, il vaut mieux faire sanctification et la façon juive. When he's not leading the Jewish community, Ashrey supplements his income through his home cooking classes and television cooking show. Today, he holds a dessert making class. Nous avons déjà préparé la meringue italienne. Ça, on va l'utiliser pour masquer le bûche glacé qu'on avait fait hier. Et après, on va. Ashrey does not miss the opportunity to promote Judaism. Actuellement, il y a beaucoup de chercheurs, des professeurs malagas. Ils affirment que le 80% des Malagas sont d'origine juive. 80%. Et voilà notre omelette norvégienne. Vous voyez, la glace est encore, reste intacte, bien glacée, bien gelée. Mais ici, c'est très, très chaud. Et un peu plus sucré l'extérieur parce que c'est une meringue italienne un peu sucrée. On a un chef qui a vraiment un talent. Hein? Des glaces, un petit peu de la banane. Voilà. Vous allez déguster un peu encore. La relation entre l'histoire du peuple juif et le peuple malagas, comment pensez-vous? Oui, en fait, l'année dernière, on avait organisé une fête chez nous, j'ai fait faire venir un groupe folklorique, Malagas. Oui. Et eux, ils disaient qu'ils sont tous d'origine juive. Oui. Donc c'est à partir de là qu'ils ont raconté l'histoire du Valais, c'est l'histoire juive. Oui, c'est comme ceci. Je vais prendre un peu là, s'il vous plaît. Là, c'est voilà. Le Valais, Malagas. Et l'origine du Valais était en Israël. Le roi David
C'est bien joué, c'est un instrument-là. Regardez, pensez un peu la ressemblance entre ce nom en hébreu et nom malagasy. Nevel, ça devient Nivali, Nivali. Et il y a aussi la ressemblance de tabous, des façons de parler, des habits, etc., qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, ici à Madagascar. Mm-hmm. Pour vous d'autres, vous avez déjà entendu cette histoire ou c'est la première fois aussi? C'est la première fois. C'est bien à savoir. Ah, oui. Et c'était génial, mais moi, j'étais vraiment débordée. Je n'ai pas eu le temps de comprendre vraiment ce qu'il disait. Oui. Mais c'est très, très intéressant. Hein? Oui. Back in Petuela's class, students are learning Hebrew. Nous allons commencer avec les lectures de chaque phrase. Oznaim. Ohai. Kipa, c'est quoi? Chapeau. Enaim. Yeux. Oeil. Encore une fois, les yeux. Petuela likes to use his classes to find out more about those who are interested in joining the Jewish community. Nous allons recommencer la question. Et lesquels parmi vous qui ne sont pas encore convertis? 6. Deuxième question. Parmi vous qui ne sont pas encore convertis, pourquoi vous êtes venus? Approfondir la Torah d'abord et du coup apprendre l'hébreu pour une prochaine conversion. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues ici pour, et qui ont fait et qui ont fait des conférences et qui ont écrit même des livres sur cette origine juive de certains malgaches. J'ai fait la prière en langue malgache, en langue française. Et dès que j'ai fait la prière en langue hébreu, tout de suite que le résultat c'est vite fait. La langue hébreu c'est la langue de Dieu. Like Tubi, this convert has experienced negative reactions from her family, friends, and former Christian community. I'm learning Hebrew, but in our family, we know that we have a Hebraic origin. But before, as there was Jewish persecution in Madagascar, we could not learn Hebrew and practice much, but now we also practice and learn with more freedom than before. The head of the English Language Institute explains why he supports this Jewish community by loaning his space to them for their classes. Je ne suis pas encore dans la religion judaïsme. Je me pose la question, mais là où il y a du judaïsme, ça devait être une bénédiction. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une certaine prospérité. Prospérité, disons, matérielle plus. On a constaté ça dans le monde. Donc j'accueille votre association par cette promesse. Ashrey is back at the house to tidy up before his mother arrives. She's visiting from France for the first time since the family converted to Judaism. And there is a tension in the air. Après votre conversion finale, j'aimerais un peu avoir des nouvelles de ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et comment vous vous sentez maintenant. Pour moi, maintenant, je sais bien où je mettre mes pieds. Il y a un peu de difficultés à propos de la vie quotidienne ici à Madagascar, mais pour vivre dans la religion, ça, oui. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, il n'y a pas de kasher.
Il y a des règles pour la viande. Bon, je suis désolée, hein, je ne connais pas très bien. Vous savez bien que je ne suis pas... Oui, mais je vous remercie, maman, parce que pour toi, je vois que vous n'avez pas de problème à propos des différents pour nous maintenant. Hein. Mais j'espère si vous arrivez ici à Madagascar, si, parce que dès le début, peut-être vous avez de votre habitude pour votre enfant. Moi, je m'adapte facilement avec toutes choses. Hein. C'est dans le respect, je m'adapte. Oui, je vois. Bon, est-ce que tu as trouvé la sérénité, la paix dans ce que tu as, tu t'es engagé? Mm-hmm. Hein? Oui. Oui. D'accord, moi c'est ce que oui, vous êtes d'accord. Tina, et ainsi que toi, tu es déjà grande aussi, hein, tu as ton avis, tu peux parler. C'était mon choix aussi. On ne m'a pas forcé et je suis convertie. Et puis si Yoyada et Hichem te disent quelque chose, hein, n'est-ce pas? Allez, bon, j'espère que tu ne vas pas encore changer. On va entendre encore que voilà, il est dans je ne sais pas quoi. Oui. Alors là, on va se faire... Non, ce n'est pas une question de tourisme spirituel. Non, on ne va pas dire ça. Ce n'est pas ça, mais c'est une soif à remplir. There is no rest for Ashrey. And he needs to focus on providing for his family by recording his cooking show in his kitchen. Je m'occupe beaucoup plus de temps, sortir de l'argent de ma poche pour la communauté, parce que la communauté aussi n'est pas encore riche, n'a pas beaucoup d'argent. Et je gagne peu d'argent à cause de ça, et ça a causé aussi des problèmes quelquefois dans la famille. Je dois trouver toujours la solution pour balancer. Mais par contre, ici, dans le judaïsme, on ne touche rien et ce n'est pas la priorité aussi dans le judaïsme. Ce qui est très important, c'est le côté spirituel. Nous souhaitons que beaucoup des Malagas seront convertis. Il y a des corruptions partout, il y a des mauvaises choses partout. Nous croyons que ça va donner une paix sur ce pays et une réussite sur ce pays et dans la voie judaïque et vont pratiquer la Torah pour retourner vraiment à l'Éternel. Finishing a long week, Tubi holds Friday prayers in another makeshift synagogue. Shalom, shalom, baruch habayim, baruch habayim. For Ashrey, Judaism provides him with the spiritual meaning he has been seeking and connects him to his ancestral roots. But whether this new religious path will give him and other converts the material improvements they seek to better their lives remains to be seen. Shabbat lekhu